Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Traffic Mania. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que j'ai pas forcément l'habitude de traiter sur le blog. On va parler d'argent, on va parler de votre argent et on va parler en fait de trois points importants qui permettent d'en obtenir plus, qui permettent de vous enrichir. Si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat en ligne, c'est sans doute parce que vous cherchez à avoir un peu plus de liberté. C'est également aussi sans doute parce que vous voulez être indépendant par rapport à votre emploi. Vous voulez quitter le salariat parce que c'est pas forcément ce qui vous convient. Donc moi, j'ai vraiment créé Traffic Mania pour vous montrer le chemin à suivre, puisque moi-même, c'est ce chemin que j'ai emprunté il y a quelques années, quand j'ai décidé de quitter le salariat définitivement après mon licenciement pour devenir mon propre patron. Donc effectivement, il y avait un côté indépendance, mais il y avait également le côté argent qui jouait, puisque évidemment, quand on crée sa propre entreprise, on a beaucoup plus de leviers pour augmenter son capital plutôt que lorsqu'on est salarié, où après tout, la seule chose que vous pouvez faire, c'est peut-être attendre 2 ou 3% d'augmentation les bonnes années. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Alors déjà, à la base, si on veut s'enrichir, le truc de base, c'est que les entrées d'argent, elles doivent être supérieures aux dépenses. Effectivement, si vous gagnez plus que ce que vous dépensez, sur le long terme, vous vous enrichissez. Sinon, c'est l'inverse. Si vous dépensez plus que ce que vous rentrez, effectivement, votre capital diminue. Donc en fait, il y a trois façons. Il y en a certainement d'autres, hein. Mais il y a trois façons qui sont applicables par tout le monde et qui permettent de s'enrichir. La première façon, c'est de dépenser son argent dans des actifs et non pas dans du passif. En gros, vous allez dépenser votre argent dans quelque chose qui va vous rapporter. Donc ça, c'est un truc de base. Imaginez que sur votre blog, vous fassiez un bon mois et vous avez 500 € à disposition de plus. Ou alors imaginez que vous avez touché une prime de la part de votre patron et vous avez touché également 500 €. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous avez deux choix. Vous pouvez acheter soit un actif, soit un passif. Le passif, ça va être quoi? Ça va être cette veste en cuir que vous trouvez super sympa. À chaque fois que vous passez devant la vitrine de la boutique, vous avez envie de l'acheter parce que vous la trouvez vraiment très belle. L'actif, ça va être de vous acheter, je ne sais pas moi, des actions. Voilà. Vous avez 500 € à dépenser. Vous pouvez soit vous acheter la veste, soit vous acheter des actions. Effectivement, si vous achetez la veste, vous allez vous en servir, vous allez être content parce que vous allez être beau et vous allez avoir un certain niveau de satisfaction. C'est une satisfaction qui est court terme. Si vous achetez des actions et que vous répartissez cette dépense, non pas sur un seul titre, mais sur plusieurs, et que vous avez une stratégie moyen à long terme, ce qui est nécessaire sur les actions, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont monter. Donc peut-être que dans 10 ans, ces 500 €, ils vaudront 800. Voilà. Et on s'enrichit en achetant des actifs. Donc quels sont les actifs qu'on peut s'acheter facilement? On peut s'acheter des actions, bien sûr. Alors c'est facile, hein, il suffit d'ouvrir un PEA. Hein. Vous appelez votre banquier, vous lui dites « je vais ouvrir un PEA », il va vous expliquer comment on ouvre un PEA, c'est aussi simple que d'ouvrir un compte en banque. On peut acheter aussi des obligations. Alors c'est peut-être moins évident à obtenir, mais en tout cas on peut acheter des titres qui s'en rapprochent, par exemple avec des trackers ou des ETF. Enfin c'est la même chose, tracker, ETF. On peut acheter de l'immobilier. Ça aussi, alors pas le vôtre, mais de l'immobilier que vous allez louer. Donc soit vous achetez un studio, soit vous financez l'apport pour acheter un studio petit à petit, ou soit vous achetez des parts de SCPI si vous ne voulez pas vous embêter avec la gestion d'un studio. Vous allez acheter des titres qui vont vous permettre d'encaisser des loyers. Donc SCPI, ça aussi, hein, si vous êtes intéressé. C'est pas dur de trouver des renseignements sur les SCPI, il suffit d'en parler à votre banquier ou d'en chercher sur internet, c'est pas très compliqué à trouver. Donc la différence pour s'enrichir, le premier truc, donc c'est d'acheter des actifs et non pas des passifs. Donc en fait, c'est une histoire de retard dans la consommation. Parce qu'il peut se poser une question un peu philosophique, hein. À quoi ça sert d'acheter des actifs si c'est pour ne pas dépenser l'argent? À quoi ça sert d'avoir plein d'argent qui peuvent vous servir à acheter plein de vestes en cuir si vous les achetez pas? En fait, la réalité, c'est que ça va vous servir à vous payer des trucs qui vont vraiment vous plaire. Parce que quand vous êtes dans l'achat d'actifs, vous différez votre consommation et vous êtes beaucoup moins dans l'instant de consommation. Vous êtes beaucoup moins en fait dans l'espèce de gaspillage, dans l'achat impulsif. Donc qu'est-ce qui va se passer plus tard?
Peut-être que vous voudrez inscrire vos enfants dans une école privée parce que l'école publique de votre quartier, elle est pourrie. Vous serez content d'avoir cet argent. Ou alors, plus tard, peut-être que votre rêve, c'est de faire de la plongée sous-marine et vous voulez absolument faire les 20 plus belles plongées sous-marines avant vos 40 ans. Eh ben, vous pourrez faire plus tard de la plongée grâce à cette épargne. La réalité, c'est que le fait de s'enrichir de cette façon, ça vous procure une certaine sécurité. Vous serez également, par exemple, beaucoup moins soucieux si vous faites un mauvais mois en blogging, si vous avez ce genre de stratégie. Parce que les actions, vous pourrez les revendre, alors que la revente de la veste en cuir, ça risque de se faire avec une très grosse perte. Donc on a vu le premier point qui est d'acheter des actifs plutôt que des passifs, afin de retarder le plaisir de consommation, en tout cas de financer ce plaisir de consommation après avoir fait un capital qui est plus important. La deuxième chose qui est intéressante pour pouvoir s'enrichir, selon moi, c'est de passer son temps sur ce qui vous rapporte. Alors, il y a une phrase que j'avais lue un jour sur un blog. Je ne sais plus quel blog c'est, donc toutes mes excuses, je vais citer quelque chose sans citer la source. C'était une personne qui disait « Moi, je fais rien si je suis pas sûr que cette action, elle va m'aider à me payer ma Ferrari. » Alors, moi, j'ai pas envie de me payer une Ferrari, ça m'intéresse pas. Mais je trouve que c'est une façon intéressante de faire la part des choses entre ce qui est vraiment utile d'un point de vue enrichissement et ce qui ne l'est pas. Prenez par exemple le blogging. Aujourd'hui, peut-être que vous passez du temps à corriger vos articles de blog et à les éditer en ligne. Est-ce que cette action, elle va vous permettre d'avoir plus de trafic? Non. Est-ce que cette action, elle va vous permettre de faire plus de ventes? Non. C'est donc quelque chose que vous pouvez soit automatiser, soit déléguer. Donc l'édition des articles, en ce qui concerne la correction orthographique, ben, vous pouvez la faire en 2 secondes avec un logiciel comme Antidote, qui est très performant pour corriger les fautes. Et l'édition, vous pouvez la confier à un prestataire. Et vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pendant ce temps? Ben, soit écrire un nouvel article, soit promouvoir un article existant, ce qui va vous amener du trafic, ce qui va vous amener des ventes supplémentaires. Donc, la question, c'est de se dire, le fait de faire cette action m'aide-t-elle à accomplir tel résultat? M'acheter une Ferrari, partir faire les plus belles plongées du monde, investir pour le futur de mes enfants ou acheter un appartement. C'est un excellent critère qui vous permet d'optimiser votre temps de manière à vraiment le rendre plus efficace. Ok, on va maintenant passer au troisième point qui est un piège à éviter. C'est ce que j'appelle le piège accumulatif. C'est quoi le piège accumulatif? Bon, c'est un truc que vous avez déjà vécu. Moi, ça m'arrive assez souvent. Donc, j'essaye d'être vigilant à ce point-là, mais je tombe aussi dans le panneau. Là, vous voyez, les fêtes de Noël approchent et je me suis dit, tiens, je vais offrir une console à mes enfants. Donc, j'ai été leur acheter une Switch. Donc, tac, pendant le Black Friday, ça n'a pas loupé. J'ai acheté ma Switch, je l'ai reçue. Et je me suis dit, ah, c'est sympa la Switch, mais c'est quand même mieux avec des jeux en plus. Donc, j'ai d'abord acheté la console, puis après, j'ai acheté un autre jeu. Et puis après, je me suis dit, ah, mes enfants, ils sont jeunes, c'est quoi vraiment les jeux qui sont plus adaptés pour eux? Donc, j'ai été sur YouTube, j'ai été voir des vidéos qui présentaient les meilleurs jeux Switch pour les enfants. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai encore acheté des jeux. Et puis après, je me suis dit, ah, c'est sympa ce jeu où on peut jouer en famille. Le truc, c'est qu'avec la Switch, il n'y a que 2 manettes, donc il m'en faudrait 2 de plus. Donc, j'ai racheté des manettes. Et puis, les manettes, bien sûr, c'est des manettes sans fil, vous pouvez en charger que 2 à la fois. Donc, j'ai acheté le chargeur. Et puis je me suis dit, oulala, mais tout ça, ça prend de la place. Ça serait bien si j'avais un étui pour ranger tout ça. Donc j'ai acheté la sacoche, etc., etc., etc. Et j'ai facilement doublé le montant initial sans que ça apporte plus de bonheur à mes enfants. Puisque eux, à partir du moment où ils ont le jeu qui va bien, le jeu qu'ils vont utiliser les 3/4 du temps, c'est suffisant. Donc l'effet accumulatif, il faut faire très attention à ça. C'est ce qui se passe lorsque vous vous achetez une veste et vous vous dites « Ah, elle irait bien avec ce pantalon ». Donc vous achetez le pantalon, puis après vous vous dites « Oh, bah ces chaussures-là, elles iraient bien avec l'ensemble » et vous achetez la totale. Et on se retrouve donc de cette façon à acheter énormément de passifs au lieu d'acheter de l'actif. Donc acheter de l'actif, je vous le répète, c'est acheter de l'immobilier, c'est acheter des actions, des obligations ou acheter de la compétence, acheter du savoir que vous allez pouvoir transformer en meilleur emploi ou en plus de résultats pour votre entreprise. C'est ça aussi de l'actif. Donc voilà 3 actions simples que n'importe qui peut mettre en œuvre, que vous soyez indépendant ou pas. Acheter des actifs dès que vous avez un petit peu d'argent de côté plutôt que d'acheter du passif. Focalisez votre temps sur ce qui vous rapporte vraiment l'argent. Et enfin, évitez l'effet accumulatif en tombant dans les pièges de surconsommation
que l'on tend tout autour de nous continuellement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'enrichissement personnel vous aura plu. En tout cas, si vous êtes entrepreneur en ligne et que vous avez un projet de blog ou un blog existant et que vous voulez augmenter son trafic, je vous incite fortement à cliquer sur le lien qui est ci-dessous pour vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania. Vous recevrez gratuitement une formation trafic d'1 heure qui va vous aider à augmenter votre audience. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. On se retrouve très bientôt sur une future vidéo de Traffic Mania. Ciao.